On termine ce journal avec la présentation des travaux de rénovation de l'église de Croix qui ont lieu actuellement. Car depuis l'effondrement des voûtes en février dernier, l'église Saint-Martin est bien mal en point et 4,8 millions d'euros sont nécessaires à sa rénovation. Pour financer tout cela, une convention a été signée entre la ville, l'association de sauvegarde de l'église et la fondation du patrimoine pour recueillir des dons notamment. Les travaux ont donc démarré dernièrement et doivent durer 3 ans. Explication quant au financement de ces travaux avec le père Jean Coquet, le curé de la paroisse de Croix. Il est au micro de notre reporter. Après les expertises, on arrive à un chiffre assez important qui est de 4 millions 8 en euros, hein, en euros. Donc c'est une belle somme. Et donc il y a cette association qui va essayer de se démener pour soutenir la mairie, parce que c'est la mairie qui est propriétaire de l'église, cette église qui a été construite avant 1905. Et on va essayer de récolter la somme. Alors, vraiment, à votre bon cœur.